Bonjour à tous, c'est Nico. Bon, tout le monde le sait, le support du seller central, c'est pas trop ça. Mais malgré tout, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour que vous puissiez contacter Amazon lorsque vous avez un problème. Et ensuite, je vais vous montrer une manière plus rapide de le faire, ce qui vous permettra de moins vous arracher les cheveux. Bon, allez, c'est parti! Alors, pour contacter le support du seller central, depuis l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône avec le point d'interrogation en haut à droite. Sur cette page, descendez jusqu'à la partie d'autres questions et cliquez sur le bouton Obtenir de l'aide. Ensuite, cliquez sur le bloc Vendre sur Amazon et à partir de cette page, vous pouvez décrire votre problème. Dans cet espace, les suggestions pour résoudre votre problème sont majoritairement automatisées. Si vous ne trouvez pas de réponse favorable dans la résolution de votre problème, je vais à présent vous montrer comment vous pouvez écrire ou demander un appel téléphonique au support. Donc depuis la page pour décrire votre problème, cliquez sur le texte ou recherchez votre problème dans le menu. Ensuite, depuis cette page de navigation, cliquez sur l'onglet Votre compte, puis Autre problème sur le compte. Et c'est ici que vous pourrez écrire par mail ou demander à être rappelé par le support. Je vous conseille de ne pas toucher à la partie raison du contact, remplissez juste le champ en expliquant votre problème. Et voilà, à présent vous savez comment faire pour contacter le support du seller central. Et maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire plus facilement. Dans IntelliFox, vous avez la possibilité de contacter le support d'Amazon en un clic. Pour cela, depuis la page d'accueil, cliquez sur le bouton « Trouver de l'aide » et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton « Créer un cas sur le seller central ». Si vous avez besoin d'aide sur IntelliFox, vous pouvez nous contacter directement en cliquant sur le bouton « Démarrer une conversation avec nous ». Nous ferons notre maximum pour vous aider à résoudre vos problèmes sur IntelliFox, mais aussi sur Amazon. Voilà, maintenant, si vous voulez réussir sur Amazon, vous devez absolument savoir comment faire pour optimiser votre fiche produit. Et ça tombe bien, car c'est exactement ce qu'on vous explique dans notre vidéo pour convaincre les clients d'acheter vos produits. J'espère que notre vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Surtout, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, nous vous répondrons avec un grand plaisir. En attendant la prochaine vidéo ou le prochain webinaire, portez-vous bien, salut!